Hey, dégage, Fatou! C'est mon moment à moi. Où est Gordon? T'aimerais bien le savoir. Je suis là. La ferme. Oh, idiote! Allez. Que fait-il ici? C'est trop tôt! Désolé, Poussin, ne sois pas en colère contre moi. Moi! Petite coquine, je ne peux jamais rester furieux contre toi. Désolé, Batman, tu vas devoir trouver un autre moyen. Bye bye maintenant! Ce chemin est bloqué, je ferais mieux de chercher dehors un autre moyen d'entrer. Tu as trouvé ce petit facile. Tu étais censé réussir. Lâchez-moi! La ferme est descend avec les autres. Bouge-toi! Ok, ok, je vous entends. J'y vais. Pourquoi a-t-il besoin des médecins? Je dois les sauver. Je suis sûr que ça vient de là-bas.
J'en ai marre. Ne pas vous inquiéter, mais je pense que je vais être là avec vous. Homme à terre, homme à terre. J'ai besoin qu'on m'aide, là! C'est non! T'es tout seul, maintenant! Je déteste avoir à vous dire ça, mais vous êtes tout seul dans ce grand hôpital effrayant! Homme à terre! Homme à terre! Oh, fais-toi confiance! Reprends-toi un peu! Ouais! Il y a un docteur ici? Non? Pitié! Il semblerait que j'ai un tas d'abdomens blessés ayant besoin de soins! La salle est vide. Vous êtes en sécurité. J'ignore ce qui s'est passé. Nous faisions nos rondes de nuit, et la minute suivante, des malfrats armés entraient dans la salle et nous prenaient en otage. Étaient-ils accompagnés par quelqu'un ? Ils ont emmené quelqu'un dans l'ascenseur. J'ignore de qui il s'agit. Ils ne voulaient manifestement pas être suivis. L'ascenseur semble avoir été éteint. Vous serez en sécurité ici. Tout ira bien. Et les autres ? On a entendu des coups de feu. Ils pourraient être morts. On devra aller les aider. Oh, j'oubliais. Le docteur Kellerman était dans la salle d'observation des patients et le docteur Chen est allé en chirurgie. Et le docteur Young est en radiologie. Ok, restez là. Je trouverai les autres médecins. Batman nous a sauvés. Je n'avais jamais vraiment cru à son existence. Vous allez bien ? On est saufs. Batman nous a sauvés. Avec un patient numéro 21, nom du patient Edouard Nigma, alias l'homme mystère. Alors, Edouard, le directeur Sharp m'a dit que vous aviez encore gribouillé des énigmes menaçantes sur les murs de l'asile. Il faudrait être diablement paranoïaque pour voir des menaces dans d'innocentes énigmes, Dr. Young. Puis-je vous en poser une? Très bien. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes? Puis deux? Et enfin, trois? Un homme. Il marche à quatre pattes étant bébé, sur ses deux pieds quand il est adulte, puis utilise une canne quand il est vieux. Bien tenté. Mais la bonne réponse est un bébé. C'est vrai qu'il marche à quatre pattes, mais couper ses jambes et il ne peut se tortiller que sur deux membres. Donnez-lui une béquille et il peut boitiller sur trois, vous voyez? Ah, oh, comment pouvez-vous plaisanter sur ce sujet? Facilement, docteur. Ce n'est pas mon bébé. N'oubliez pas, un patient heureux est un patient silencieux. Permettez-moi de vous présenter le brillant travail du docteur Penelope Young, notre nouvelle directrice de recherche. Depuis qu'elle a rejoint notre équipe il y a 2 ans, Arkham est à la pointe de la recherche en matière de compréhension du cerveau humain. Bonjour Arkham, parlons de l'esprit. Comment peut-on comprendre et au final traiter une entité si complexe quand elle craque? Comment? Le projet Titan a pour but de créer un banc d'essai pour sonder complètement nos cas spéciaux. Oh.
risque d'une façon sûre et sans risque. Notre objectif est de soigner les spécimens les plus malchanceux. Batman ! Ne parlez pas, vous êtes sauf maintenant. Mais c'est un piège ! Je sais, ce n'est juste pas pour moi. C'est vrai ! Tu es vraiment le plus grand détective ! Comment as-tu réussi, Batou ? Oh, bon sang ! Venez là, les gars ! Voyons s'il peut détecter un gros plein de poils ! De l'événement principal. Tu verras. Libérez. Pardon, j'ai essayé de vous le dire. Je ne pouvais pas parler. Du calme. Vous êtes sauf maintenant. Je peux m'occuper de ces misérables malfrats. Tous les patients restent calmes et rejoignent tranquillement leur chambre. Nos découvertes ont conduit à nous demander si la psychose était en elle-même neurotoxique et si les changements potentiellement nuisibles pour le cerveau étaient liés à la durée des épisodes psychotiques. Le projet Titan nous permet de renforcer la capacité des individus à faire face à de tels changements. Qui est le garde ? Nous avons eu des premiers... Cette espèce d'enfoiré se cache. Où il a trouvé ce crochet ? C'est quoi ton problème, tu es au courant de rien ? Cash a eu un différend avec Killer Croc il y a quelque temps. Croc s'est enfui et a dévoré la main de Cash. La vache. Ouais, donc si tu vois un monstre énorme foncer sur toi, descends-le. Tu seras son prochain repas. Et offrons une vaste gamme de programmes thérapeutiques, chirurgicaux et sanitaires. La grande qualité de nos soins, associée à l'emplacement pratique de la vie, conforme à de l'éthique. Patron, c'est fait. La salle est pleine de gaz et Capitaine Crochet est coincé dedans. Le problème, c'est que Razor n'est pas sorti à temps. Il est coincé aussi. Ça lui apprendra à l'ambiné de laisser personne sortir. Pas même Razor. Il m'a déçu et je n'aime pas les ratés. Ouais, compris, patron. Il nous ralentissait tout. Il est là ! Allez, Batman ! Cash, que s'est-il passé ? Une alarme a retenti dans le centre médical. J'ai entendu quelqu'un crier et trouver le docteur par terre. Quand je suis venu l'aider, la pièce a été remplie de gaz. Ses portes se sont verrouillées. On ne peut pas sortir. J'ignore combien de temps on pourra tenir. Quel courage ! Donnons un coup de main à M. Cash. Il pourrait en utiliser une. Tu riras beaucoup moins quand je sortirai de là. En se détendant, je ne fais que te taquiner.
J'ai hâte de te rendre l'appareil. Laisse tomber, Cash. Tu peux contrôler le système de ventilation ? J'ai essayé, ça ne marche pas. Il a désactivé l'accès à distance. Je trouverai un moyen. J'ignore si vous pouvez m'entendre. Le tableau montre que le ventilateur 1 est alimenté. Dites-moi pas être mort. Je suis trop haut. Si je tombe, je me ferai vraiment mal. Parler de cette partie du projet. Je ne sais pas. On l'enferme, il sort et des gens meurent. Si je pouvais être seul avec cet animal, ne serait-ce qu'une minute. Entretien enregistré numéro 39. Nom du patient, Edouard Nigma. À ce stade, je n'ai pas encore décidé si M. Nigma était un candidat adéquat pour le processus Titan. J'aimerais parler de votre enfance. Misérable. Ensuite ? Tout porte à croire que c'est là qu'a commencé votre fascination pour les énigmes. Je pense que parler de ces années pourrait expliquer votre comportement compulsif. Très bien. Mon père me détestait. Il me traitait toujours de crétin. Je vois. J'étais déterminé à lui prouver qu'il avait tort, alors j'ai participé à un concours à l'école. Un prix de $20 pour l'enfant qui résoudrait un problème de logique quasiment insoluble. Bien sûr, j'ai gagné. Ça a fait plaisir à votre père ? À peine. Il était convaincu que j'avais triché. Il criait sans cesse : « Tu as dû tricher, admets-le, crétin, tu as triché !» J'ai juré que non. Et il m'a frappé pour avoir menti. Désolé d'entendre ça, Edouard. Ne le soyez pas. Il avait raison.
Du personnel médical a encore besoin de mon aide. N'oubliez pas, un patient heureux est un patient silencieux. Je ne suis pas sûr de pouvoir garder un secret plus longtemps. Deux amis, on va dire... L'un d'eux est terrifié à l'idée que tu partes sans lui dire bonjour. L'autre, eh ben... Disons simplement qu'il sera aussi surpris... ...de te voir que... Toi, en le voyant. Quand Amadeus Arkham a construit cette institution, rares étaient ceux qui... imaginait qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation et de réhabilitation qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde connaît les soi-disant supercriminels qui y sont traités. Mais ce n'est pas tout. Nos ailes basse sécurité offrent aux individus normaux mais tourmentés un lieu sûr pour guérir. Nous représentons... C'est le Docteur Yo. Spécialistes. Ouais, elle peut m'opérer quand elle veut. Paraît qu'il y a un lien entre eux. Pourquoi le Joker veut-il la ressusciter? Aucune idée. Et après ce qui s'est passé cette fois-là à la gare, je fais exactement ce qu'il dit. Moi aussi. L'évier Johnny K n'a rien vu venir. J'étais content de ne pas avoir à nettoyer. Que tous les patients restent calmes et rejoignent tranquillement leur chambre. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Quand Amadeus Arkham... C'est Batman ! ...institution, rares étaient ceux qui imaginaient qu'elle était une grande dévaluation. Ça doit faire mal. Pourquoi vous faites ça? J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Croyez que j'en ai quelque chose à faire? Arrêtez de pleurer et écoutez. Si quelqu'un vous approche sans la permission express du Joker, j'ai pour ordre de m'assurer que vous serez emmené au plus vite ailleurs. On dirait que vous êtes notre monnaie d'échange. Je dois vous dire, le patron contrôle tout. Il a tout planifié comme une opération militaire. Des amis à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis consciente que cette opération, comme vous l'appelez, nécessite des amis. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez choisi. Le Joker m'a-t-il spécifié? Pourquoi je peux pas lui parler? Je suis sûre qu'on peut régler ça. Madame, si je dois me répéter, je vais vous faire mal. Vous comprenez? Alors fermez-la. Si le patron veut vous parler, il le fera. En attendant, bouclez-la. Que se passe-t-il? Ils parlaient comme s'ils avaient le contrôle. C'est vrai que le Joker s'est échappé? Malheureusement, oui. Mais il ne restera pas libre longtemps. J'ai étudié le cas du Joker pendant des mois après son évasion. Le directeur était très clair. Le Joker devait être guéri. Une mauvaise publicité affectera sa campagne pour devenir maire. Ce sera le cadet, c'est... Oh, bon sang. J'ai failli oublier. Ils ont dit qu'ils parcouraient l'établissement pour traquer les autres médecins. Ce n'est pas un problème, docteur. Toute l'équipe a été sauvée. Vous serez plus en sécurité en restant ici. Tout le personnel médical est là. Il est temps de continuer à suivre la trace d'Harley Quinn et de Gordon. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Je déplace près du ring pour le grand événement. Harley, amène le pop-corn. J'ai hâte d'y être. Que tous les patients restent calmes et rejoignent leur chambre. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Quand Amadeus Arkham a construit cette institution, rares étaient ceux qui imaginaient qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation et de réhabilitation qu'elle est aujourd'hui. Les soi-disant supercriminels qui y sont traités. Mais ce n'est pas tout. Nos ailes basse sécurité
offre aux individus normaux mais tourmentés un lieu sûr pour guérir. Des réductions sur nos tarifs et nos formules santé sont disponibles à l'accueil ou sur www.soinsarcam.com/tarifs. Vous les avez trouvés ? Ils vont bien ? Oui, ils sont saufs maintenant. Batman ! On a un autre problème. Je dois aller au manoir. Toutes mes notes de recherche y sont. On ne peut pas risquer que le Joker mette la main dessus. Ce n'est pas un lieu sûr, docteur. L'île est une zone de guerre. Vous n'aurez aucune chance. C'est l'œuvre de ma vie. Vous n'avez vraiment pas le pouvoir de... Je la ramènerai, Batman, si vous me le demandez. Il est temps que je vous renvoie l'ascenseur. Je n'aime pas ça, mais... Qui a appelé l'ascenseur ? C'était pas nous. Ça vient de l'étage inférieur. Cash, emmenez le docteur Young. Prenez ses notes et trouvez un endroit sûr où les mettre. Vous autres, allez dans la salle d'observation. Barricadez-vous dedans. Le patron dit qu'il est là-dedans. On se sépare. Merde, j'aime pas l'odeur des hôpitaux. Tu m'entends? On se réveille! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Faut le trouver, sinon c'est notre tour. C'est pigé! Batman? Hey, tu m'entends? Montre-toi! J'ai hâte de sortir de là. Cet hôpital me fout la chair de poule. Facile! Réfléchis! Je t'ai enfermé dans une petite boîte en métal, suspendue de manière précaire au-dessus d'un gouffre mortel. Et si je faisais sauter les freins d'urgence et te laissais tomber comme un sac de chiots? Dis bonne nuit, Batou! Ouh! C'était pour rire! Je te réserve quelque autre surprise. Prépare-toi à affronter des peurs. Toutes tes peurs!